derrière. Vous voyez la composition de cette équipe de Serein. Deux changements, je vous le disais. Godard qui vient remplacer Swerst sur le flanc droit et devant pour laisser une place à Autor dans le milieu de terrain qui, lui, eh bien, fait son apparition dans cette équipe au profit de Van den Brem. Mais face à Serein et l'équipe qui joue le mieux au football de cette D1B, quels sont les mots de l'entraîneur brugeois, eh bien, il va falloir être résistant. Bernier. Bernier encore, ça arrive chez Cascio qui remet en retrait. Une frappe, c'est contré. Et voici l'ouverture du score. On joue seulement depuis moins de 3 minutes et c'est déjà 1-0 pour Serein. Une frappe déviée de Abdelhafid Al-Badawi, Georges Mikotadze qui vient dévier ce ballon. Un but qui serait donc accordé à Georges Mikotadze. Je vous disais, il n'avait pas encore marqué de la tête. Et bien ici, il marque du dos sur la défense brugeoise pour récupérer cette balle via Georges Mikotadze. Heureusement pour le club next. Serein en pointe pas. Mikotadze, c'est magnifique. Mikotadze, c'était splendide de la part de Georges Mikotadze. Il est inarrêtable, hein, ce garçon. Il est vraiment inarrêtable, irrésistible. Il trouve là en deuxième zone. Et puis effectivement, la petite talonnade là, qui se voit contré par Shinton pour la deuxième fois. Et quel arrêt! Quel arrêt de Nick Shinton! Une claquette tout simplement exceptionnelle. Alors là, qui monte d'un cran, revoit cette tête. Et puis quel... un nouveau. Et le dernier, eh bien, il amène le danger. Effectivement, une tête déviée! Et voici le 2-0. Et c'est un but du défenseur Benjamin Boulanger, qui vient donc comme face aux Lyrs. Ils font mouche. 2-0. Nick Shinton est battu, il n'y a personne. Exilé un petit peu côté droit et puis finalement attendre le soutien et délivrer la bonne passe. Malheureusement pour lui, ça ne paye pas. Et puis effectivement, Mikotadze face à Shinton. Mikotadze, Mikotadze! C'est 3-0. Le voici, le but de Georges Mikotadze, son 10e de la saison. Georges Mikotadze, il avait déjà eu des occasions durant cette rencontre. On est un petit peu trop court. Mikotadze qui temporise et puis qui ensuite eh bien, fusille Nick Shinton. Sandra ici au duel avec Boulanger. Godard côté droit, Godard qui est plus prompt sur ce duel, qui met en deuxième poteau, et voici le quatrième, c'est 4-0 pour Serein, et c'est un nouveau but de Georges Mikotadze, le doublé pour la petite pépite française, 11e but de la saison. Nathan Fouakala qui n'est pas assez proche de son joueur, hein. Comment laisser autant devant du public, devant une certaine, avoir une certaine pression tout de même, puisque c'est des matchs transmis à la télévision, que ici Mikotadze. Mais quelle erreur de la défense brugeoise. C'est 5-0. 5-0 et c'est de nouveau Georges Mikotadze. C'est un cauchemar. C'est une soirée cauchemardesque pour l'instant pour les jeunes brugeois. La rencontre est pliée. Nick Shinton qui vient vraiment offrir ce ballon à l'attaquant français. Houtekeet est trop tard. Kilota, il est passé Kilota. Kilota encore, il peut se mettre sur son pied droit, en retrait, peut-être une frappe de Bernier. Bernier, c'est 6-0 pour le RFC Serein. 6-0 et c'est un but d'Antoine Bernier. Antoine Bernier en bord de rectangle, à qui on laisse le temps de contrôler son maintien de Kuiper. De Kuiper, c'est sur Guillaume Ditch. Point de pénalty, un pénalty pour les U23 du club de Bruges, alors qu'il me semble que cette faute a lieu à l'extérieur du rectangle. On termine au fond car ça veut donc dire pas de clean sheet, mais Batten a le ballon en main. Va-t-on passer de 6-0 à 6-1. Batten, c'est goal. Qui tout de même va sans doute faire du bien au niveau de l'honneur. C'est un calvaire qui se termine pour le club next ce soir. Une défaite 6-1 sur la pelouse du stade du Perret. On sent le dépit dans le regard de certains joueurs. C'est la pire défaite